Hello, hello, on arrive dans quelques instants. Alors, c'est quoi ce jeu? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est là? On stream? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est ça. C'est ça. On stream. Et donc ce soir, comme vous avez pu le voir, le constater, un jeu pas si ancien que ça, mais voilà, c'est un jeu qui m'a beaucoup plu. J'avais envie de le refaire. Non, Kuro, je ne te ferai pas d'enfant parce que tu as un pénis, j'ai un pénis, et cela n'est physiquement pas possible. Donc, Xenoblade Chronicles X, attention, n'a rien à voir avec le Xenoblade Chronicles premier du nom, qui était sorti sur Nintendo Wii. Hello Budzy, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout le monde va bien. Donc, aucun rapport avec celui-ci. C'est Xenoblade Chronicles X, sorti sur Wii U en 2015, il y a 5 ans d'ici, déjà. Alors, c'est, comme dirait Kuro, Famitsu sur 20 alors. Bon, ça c'est une private joke, les gars, j'expliquerai peut-être, voilà, j'expliquerai peut-être en stream comment ça va se passer. Alors, on va déjà mettre un petit peu le jeu, hein, pour voir, voilà, ce sera peut-être mieux. Alors, on va essayer de le faire plus ou moins complet. Ça risque d'être assez compliqué, mais on va essayer. Donc, sorti, merci pour le like. Donc, jeu sorti en 2015 par Monolith Soft, qui a fait aussi des petits jeux, hein, des tout petits jeux, genre des Baton Kaitos, des Dragon Ball, etc. Donc ça va, allez, en avant, les likes, les shares, allez, on y va. Alors, donner de la console sauvegardée, on s'en fout. Merci pour tous les shares, do you believe in love and your love? Pardon. On s'en fout, on veut jouer. Voilà, oui, en jouant en ligne. Alors, est-ce qu'il y a encore en ligne un online? Je pense que oui. Est-ce qu'il y a une cinématique? Je pense que oui. Est-ce qu'elle est intéressante? Je pense que non. Alors, c'est pas grave. Hello, Nico. J'espère que je vais bien. Ah oui, ça va. Buds, je vais bien. Ok, tout le monde va bien. Ça, c'est parfait. Alors, on va regarder la cinématique. Par contre, le petit hors-ligne au-dessus, là, ça va être chiant. Peut-être que celui-là, ils vont le porter sur la Switch. Ce serait tellement beau. Vous avez vu le petit dessin qu'il y avait? Le petit dessin. Vous savez c'est quoi? C'est ce qu'on envoie dans l'espace lorsqu'on a... Monolith a dit trop gros pour la Switch, mais bon, on verra. C'est ce qu'on envoie dans l'espace, dans les fusées, si jamais on rencontre des extraterrestres, des xénos, on va dire. C'est le vrai dessin qu'on utilise, le vrai schéma, qui donne les dimensions de notre espèce, comme quoi nous avons de base deux sexes, etc. Voilà. Comme ça, vous savez un petit peu. Je vous laisse regarder. Merci pour les chers. Cœur sur vous. Cœur sur la ville. J'espère que le son est bon. On entend correctement.
July, 2054 AD. The Earth was caught in a great battle between unknown alien forces. Mais Collider, fallait pas revendre ta Wii U. Ça va devenir hyper dur à trouver. Alors pour les fans des Gundam, Macross, Macross Robotech, etc., c'est typiquement votre genre. Hein. Ah oui, mais le pack HD est installé, hein, donc plus de 10 gigas installés. Hein. Enjoy quoi. Pour eux, je te conseille une chanson de Camaro, Femme Like You. Oui, je vais expliquer l'histoire après. Lisez déjà un tout petit peu et après j'explique tout. J'explique pourquoi je mettrai des maillots aux demoiselles. Je vois qu'il y a pas mal de monde aujourd'hui. Merci beaucoup à tous. Merci, merci. N'hésitez pas à aimer la page rpg.fr. Oui, oui, ça fait très Gundam. Hein. Oui, oui. Ça fait très, c'est un space opéra, tout simplement. Comme l'était Van Dredd, comme le sont les Gundam, les Macross Robotech, etc. Et donc, on y va. Let's go. Alors, l'histoire est somme toute basique par rapport à ce qu'on connaît des space opéras. Donc, des extraterrestres qui sont bien plus puissants que nos petits... Est-ce que je prends un personnage masculin ou féminin? Qu'est-ce que vous voulez? Regardez ça avec des petites couettes. Est-ce que vous voulez un personnage masculin ou féminin? Dites-moi là, dans le chat. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous préférez? Je suppose que vous allez me dire ça. Je le sens. Ouais, ok. Déjà, on me dit une femme avec des gros nichons. Donc déjà, ça montre, voilà, féminin. Déjà, ça montre le niveau. Hein. Donc avec ça, les gars, on va toujours rester des Weeboss. Hein. Alors, il n'y a pas autant de personnalisation qu'un Final Fantasy XIV. Ça n'a absolument rien à voir. Il y a quand même 2-3 trucs. D'ailleurs, je pense que celle de base est plutôt... plutôt correct. On va pas passer 200 ans sur ça. Alors, la taille. Est-ce qu'on change quelque chose? Le corps. Est-ce que vous voulez... J'ai peur que vous vouliez des choses... Non, on va la faire... rien de spécial. Attendez. Personnalisation. Est-ce qu'on rajoute des... Non, on va pas passer 200 ans là-dessus. Ah, on change les... Ah oui, d'accord, ok. Avec le... Ok, très bien, très bien. Alors, donc l'histoire, c'est... voilà, une meuf qui pourra recaler les dragues de Kuro. Exactement, on va essayer de faire ça. Mais là, d'ailleurs, elle a un petit style, la Sakura de Sakura Wars. Hein, un petit peu. Attendez, on va essayer de trouver quelque chose. Est-ce qu'il y a... Attendez, Sakura de Sakura Wars, c'est quelle couleur encore? Oh mon dieu, plus de... C'était quelle couleur encore? C'était... Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait ressembler? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait ressembler? Est-ce qu'on ferait ça? Oh, c'est pas vraiment ça, mais bon... On s'en fout. On s'en fout un peu. C'est pas vraiment ça. Rien à voir. Bon, c'est bon. Ça restera comme ça. Alors,
Donc l'histoire c'est quoi? Donc c'est des extraterrestres bien plus puissants avec une technologie bien plus évoluée que les humains. Donc ça c'est assez connu. C'est même connu dans la SF américaine. Hein. Si vous regardez des Independence Day et autres, voilà, vous avez un petit peu le panel de ce genre de scénario. Attendez, on a deux couleurs dans les bleus les gars. Et donc il y a eu une vague d'attaques par des extraterrestres et on se retrouve on fait un truc bizarre. On en fait une gothique. C'est du grand n'importe quoi. Et donc on se retrouve complètement, quasiment détruit. Et un vaisseau énorme est créé pour sauver ce qui restera de l'humanité. Ce vaisseau qui sera appelé l'Arche, bon, très connu. Pas de mature faciale, c'est bon, merci. Les voix, est-ce qu'on... Ah oui, non, ce sont des vrais... ouais, des doublures en soi. Le Joker. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que... Attendez. Ok, on s'en fout, c'est bon. Voilà, terminé, très bien, magnifique, confirmé. Ouais, génial, on s'en fout. Hello Julien, j'espère que tu vas bien. Non, pas d'extraterrestre avec des tentacules. Malheureusement, nous ne sommes pas dans un hentai. Il va falloir se calmer. Alors, du coup, on se fait défoncer la tronche. Il y a un sauveur avec un Gundam, si vous voulez, un robot, qui arrive un petit peu à protéger ce qui reste des individus terriens. Et on va se retrouver avec cette arche qui va être à moitié défoncée. On va se retrouver sur une planète inconnue. Donc, on va se retrouver donc en stase, comme dans beaucoup de films, beaucoup de séries où on voit des gens qui partent aux confins de l'univers avec un vaisseau et qui sont mis en stase pour justement tenir le nombre d'années, de siècles, de millénaires, peu importe. Et... Vous êtes un personnage qui va se réveiller, donc on va dire un personnage lambda, rien de spécial. Vous allez vous réveiller et à partir de là, l'histoire va commencer. Le scénario a quelques petits points forts, mais c'est pas là-dessus que ça se base. Au niveau des graphismes, ils sont corrects, mais surtout ce sont les décors qui sont absolument exceptionnels. Comme dans, on va dire, tous les jeux de la licence Xeno. C'est vraiment, on peut en faire des fonds d'écran partout. D'ailleurs, je m'amusais, quand j'y jouais, à faire des fonds d'écran. C'est pas moche, hein, c'est pas pixelisé de ouf ni rien. C'est pas plus moche qu'un Xenoblade sur Switch. Loin de là. Ça, je vais en revenir après. Je vous laisse lire une partie. On me raconte encore n'importe quoi sur Twitch. Donc vous voyez, il y a une capsule voilà, au plein milieu de nulle part. Et on se retrouve, d'une certaine façon, sauvé par ce personnage-là. Ok, à partir de là, on doit saisir un nom. Bon, vous m'excuserez, mais c'est sur le gamepad. Voilà. Alors ça, c'est pas la joie, mais bon, c'est comme ça. Oui. Keanu Reeves. Vous connaissez, hein. Voilà. Absolument rien. In the meantime, I'll get you up to speed here as best I can. How are your limbs? Can you move? We'll take it easy while you shake the stasis out of your system. One step at a time, all right? First things first, you'll be needing a weapon. There you go. All right, let's get going. Ah, le gamepad, ouais, c'est beau, hein.
Baptiste qui me dit le gamepad, ce mot m'avait manqué. Le gamepad, hein. Bon, je vous rassure, je joue pas avec le gamepad. Ça, c'est horreur, c'est une horreur. Je joue avec le... Ça, c'est rien. C'est le char... la charge. Je joue avec la manette pro, parce que sinon, le gamepad de la Wii U, c'est pas évident. Alors, si tu bloques, prends le temps de consulter la mini-carte. La flèche jaune t'indique le chemin, mais sortir des sentiers battus de temps à autre ne fait pas de mal. Alors, c'est du open world. Du très, très, très grand open world. Je vais juste devoir changer un paramètre parce que ça, pour moi, ce n'est pas possible. Deux petites secondes. Deux petites secondes, ça va être vite réglé. Si je retrouve, je dis ça, mais... Orientation verticale. Inversé. Merci. Oui, sauvegarder. Voilà. Alors, ça se présente un petit peu comme un MMORPG. De la manière où c'est présenté. Donc, c'est-à-dire que quand on utilise le menu, voilà, on peut continuer à bouger. Donc, ça n'interfère pas sur, sur votre jeu. Donc, vous pouvez changer vos paramètres, mais vous pouvez continuer à jouer. Donc, ça, c'est pas toujours facile. Donc, pour ceux qui ont l'habitude des MMORPG, aucun problème. Ça va vraiment pas leur gêner. Les gêner, pardon. Alors, il y a un petit peu d'histoire pour... pour bien sûr expliquer comment ça se passe. Donc vous avez de la chance, votre personnage a de la chance, mais peu d'entre vous ou peu d'entre nous, parce que ce sont des terriens, voilà, ont survécu. Te souviens-tu de la Terre ? Alors, c'est pas évident de me concentrer parce que je reçois des messages que si j'étais une femme, on me ferait l'amour. Donc, ça me fait peur. Voilà, c'est pas toujours évident de se concentrer. Hein. Il faut rester concentré. Focus on the stream. Ouais. C'est pas toujours évident. Ah mais ça Julien, chacun c'est... Voilà, moi le... pour moi le X c'est... moi c'est celui que je préfère, mais bon. Mais bon, voilà. Budzy qui me dit reste pro. Bah, je suis pas un pro moi, je suis pas là pour être pro. Alors, combo. Contre une bestiole dégueulasse. Et là vous allez voir qu'il y a... ce n'est pas du tour par tour, et ce n'est pas du action pur. Et ça, c'est... bah dans les autres Xenos, c'était aussi la même chose. Vous allez voir comment ça fonctionne. Alors, il y a une... Voilà, on peut bouger dans tous les sens. Et on choisit les attaques qu'on veut faire. Et il y a en plus des possibilités de faire des coups plus forts. Grâce à une jauge qu'il va falloir justement appuyer au bon moment. Donc c'est... Sinon, de base, les attaques sont automatiques, d'accord, comme dans les autres Xenoblade, et vous devez caster vos spells quand vous avez la possibilité de le faire. Donc il faut avoir des points pour le faire, et il faut aussi que le cooldown soit terminé. Ouais, mais ça va, je vais me battre, hein. Calme-toi. Hein. On peut lui dire non, va te faire voir, mais c'est pas l'idéal parce qu'il y a une voilà, il y a un sociogramme, pas un sussogramme. Ok, let's go. Alors oui, on a eu des objets, donc voilà, à chaque fois qu'il y aura un combat, on aura la possibilité de récupérer des objets. Ça, c'est très connu. C'est ce qu'il y a dans pas mal de JRPG. Alors, on a la possibilité donc de récupérer des ressources, trois types de ressources différentes. Donc, on a du mécanique, de l'archéologique et du biologique. Donc, on pourra augmenter les compétences et aller rechercher des objets. Enfin, ça, ce sont des objets simples.
Donc les cristaux, ce sont des objets simples. Simples, ça peut être absolument tout et n'importe quoi. Donc, voilà, c'est... Attendez, je me souviens des touches. Voilà, c'est bon, ok. Ok, ok. Donc on doit aller par là. On va essayer de pas se battre avec tout le monde. Donc là, on a des objets jaunes. Pour ça, je ferai sûrement une partie en hors live parce que sinon, ça, c'est très très long. Oui, t'es dans celui-ci, je dirais... Donc Julien me dit le système a l'air un peu plus dynamique que dans le Chronicle 2. Moi, je trouve aussi. Donc c'est encore une fois, ça peut être perçu différemment. Bon, cela, à mon avis, on va devoir les battre. Ouais, ça ira pas le choix. Et là, on a été surpris, donc on va se prendre des coups dans la tronche. Alors, on peut aussi éviter une partie des attaques. Ouais, j'aurais dû attendre qu'elle soit complètement rechargée, mais c'est pas grave. On va faire des coups supplémentaires, mais faut que je fasse. Voilà, faut que je les tue quand même avant de crever comme une vulgaire. Hein? Comme un vulgaire caca. Ce qu'il y aura surtout, c'est que là pour l'instant, on voit pas les décors et c'est un petit peu fait exprès. En commençant le jeu, forcément, on nous met dans une zone qui est assez restreinte avec de la pluie, etc. Donc, on voit pas grand chose. Par contre, après, quand on arrive sur certaines zones, on voit des xénos absolument monstrueux. Des trucs niveau 80. Des trucs niveau 80 qui sont énormes et que vous vous dites ah, on va devoir tuer ça? Vraiment? Non, non, non. Donc au fil du temps, on va... ouais, je vais augmenter mon armure. Voilà. Faut bien que ça ne servait plus à rien, mais c'est pas grave. Au fil du temps, on va récupérer des spells différents, donc des arts. Ici, c'est plutôt des arts. Et on va avoir la possibilité par après de changer de classe pour pouvoir justement changer bon, un petit peu comme dans les JRPG, dans d'autres JRPG ou même dans les MMORPG, on va pouvoir changer de type d'action. On va pouvoir être soit plus axé à distance, soit plus axé au CAC, etc. etc. Donc il y aura plusieurs possibilités. Il faudra monter les niveaux du personnage et monter les niveaux des classes. Donc il y a de quoi faire. Il y a des heures de jeu à faire. Donc voilà. Et là, on va avoir un lever de soleil. Voilà. On va avoir un petit... Alors on me dit, je joue de temps en temps avec lui sur League of Legends. Ça fait très longtemps, hein. Alors, Ecolider, je t'explique. Parce que tu me dis bizarrement, graphiquement, sans vouloir me prononcer trop vite, il a l'air plus propre que son petit frère Chronicle 2. Alors, pour moi, il est plus beau. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas plus beau lors de sa sortie, mais la Wii U a été forcément à la fin d'une vie, d'une console, on arrive à faire quelque chose de plus en plus beau, de plus en plus propre. Et parfois, on a certains jeux, des exemples idiots, mais certains jeux qui sortent à la fin de la vie de la PS3 ressemblaient presque aux jeux du début de la vie de PS4. Donc, ça s'explique pour plein de facteurs différents, je vais pas commencer à rentrer dans les détails. Et ici, sur le Chronicle X, Nintendo a continué à travailler dessus en donnant des packs, des gros packs HD, donc il y a plus de 10 gigas à télécharger, pour le mettre en Full HD. Donc en 1080p de base, c'est du Full HD. Full HD, Full HD. Donc si vous avez une très bonne télé qui en plus, par exemple, moi j'ai quand même une bonne télé 4K qui a une bonne puce graphique, c'est très très beau. C'est vraiment très beau. N'oubliez pas que la Switch, la plupart du temps, elle développe du 720p. À ne pas oublier. Donc, voilà, l'un dans l'autre. Moi, quand j'ai joué au Chronicle 2, j'ai été un petit peu déçu pour ça parce qu'il était moins beau que le Chronicle X à l'heure actuelle. Voilà. Donc, mais c'est à chacun de voir le type de jeu qu'il préfère. Alors, les musiques aussi, Hiroyuki Sawano, etc. C'est... Voilà. Je le répéterai jamais assez. Gurren Lagann, l'attaque des titans, et d'autres... la série des Fates et d'autres, voilà.
Parce que si là, comme ça, vous me dites que c'est moche, là, je comprends pas. Là, je comprends pas. Honnêtement, faut m'expliquer. Recognize the habitat unit? That's where we're headed. Watch yourself. That first step's a doozy. We can jump if you like. You could handle the fall. But the indigens down there are another story. Some big, some mean, all nasty. Given our options, the high road here would be the safer way to go, relatively speaking. That said, whichever way you want to go, I'll follow your lead. You decide. Alors, les actions que vous allez effectuer vont avoir des influences pour activer certaines choses en fonction des personnages. Donc, il y aura tout un sociogramme qui sera qui va vous permettre donc de voir ce que vous avez développé comme affinité avec les personnages. Alors, il faut accélérer la cadence et commencer à courir. Voilà. Oui, mais est-ce qu'on saute ? Non, on se calme. Est-ce qu'on saute comme des gros cons ? Hop là ! Alors, vous allez voir pourquoi on saute de cette façon-là et pourquoi on a l'impression qu'on fait des jumps de ouf. Vous allez comprendre au fil du temps. Vous allez comprendre. Alors, je dois aller où ? Attendez, parce qu'il faut que je me rappelle de tout. Enfin, pas de tout, parce que c'est un peu trop... Ah oui, là, on pouvait changer certaines choses. On pouvait, en gros, dormir pour changer les heures. Ok. Alors, il y a différents types de... Bon, le bestiaire est plutôt sympa. Pas exceptionnel non plus, mais il y a quand même différentes créatures. Bien entendu, bon, on retrouve quand même des créatures identiques. Voilà. Par exemple, ce petit Cthulhu mélangé avec... un AT-AT de Star Wars. Voilà. Ah ! Je me suis fait choper par ce connard. Ok. Faut que je me rappelle pour esquiver et autres. Je sais plus. Je sais qu'il y avait des astuces. J'aurais dû augmenter mon armure avant. J'aurais peut-être même dû augmenter l'armure de Elma. Donc de l'autre personnage. L'autre personnage est corps à corps. Donc c'est mieux de donner de l'armure au personnage qui va toujours se prendre des dégâts. En gros, il va être le tank, le paladin. Donc c'est quand même mieux, plutôt que vous qui, voilà, si vous êtes loin, bah, vous prenez moins de dégâts, donc... Attendez, il faut que je me rappelle de ça, voilà. Ouh, j'ai pris quand même un gros coup. J'ai déjà augmenté d'un niveau de classe, ok, super. Donc sur le côté du personnage, on voit différentes informations, donc bien sûr il y a la vie, il y a les points... les points qui vous permettent de faire certaines attaques, c'est pas du mana, c'est différent, mais c'est un genre d'énergie. Attendez, on va vers le bon chemin, donc ça c'est toujours bon. Et il y a aussi les... Ah, c'est pas cool, je suis encore fait surprendre. Donc vous voyez à côté du personnage, vous voyez le niveau des classes. J'aurais dû faire celui-là, mais je pouvais pas le faire. Il était pas actif. Je vais choisir Elma, je vais lui donner. Alors la façon de jouer est plutôt vraiment comme un MMORPG. Donc réellement, si vous aimez ça, si vous aimez les MMORPG, ça peut vous plaire. Maintenant, ça va être difficile à trouver comme jeu. Déjà parce que voilà, la Wii U c'est déjà compliqué. La Switch est déjà introuvable. Enfin, la Switch est déjà difficilement... Ouh ! Je me suis fait OS. Du coup, je parle. Oui. Je me suis pris des horribles dégâts dans la gueule. À force de parler, voilà. On se retrouve à ne pas savoir combattre un vieux monstre dégueulasse. On va essayer de les éviter, comme ça on va avancer. Et qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait le chemin ou est-ce qu'on saute comme des... Non, faut faire le chemin quand même. Alors, première mort, c'est génial. C'est vraiment génial. Je pensais pas mourir dès le début. Je ne pensais pas mourir dès le début. On va essayer de les éviter parce que sinon on va se faire poutrer à chaque fois.
Vous avez vu des petits jumps, hein. Ce serait bien de pouvoir faire des petits sauts comme ça, hein. Petits sauts de 40 mètres. J'ai mon nez qui me chatouille. C'est pas cool. Non, ceux-là, il faut que je les évite. Voilà. On va aller directement et vous voyez, bon, petit, voilà, truc pour faire un petit peu pour faire rire d'une certaine façon, parce que c'est un jeu japonais, mais ils nous mettent un vaisseau américain. Donc ça, c'est assez marrant. Alors il faut aussi que je retrouve la carte. Faudrait que je regarde ça, parce que normalement on peut le faire à partir du très cher et tendre gamepad que nous aimons. Que nous aimons tous, hein. D'accord. Alors faut pas oublier que la Wii U n'est pas beaucoup moins puissante que la Switch. La seule différence est que tout est dans l'écran au niveau de la Switch. Tandis que là, bien sûr, il y a une base extérieure. Mais sinon, ça change pas grand chose. Hein. Pas mal de jeux ont été d'abord développés sur la Wii U avant de sur la Switch. Notamment Zelda, Breath of the Wild. Pour ceux qui connaissent, ouais, je Switch, excellent, meilleur jeu. Bah non, c'est sorti d'abord sur Wii U. C'est un jeu Wii U, les gars. Le fait qu'il soit sur Switch est juste un portage. Donc, ah, je me demandais ce qui se passait. Voilà, là, on va avoir une petite explication. Until it all came crashing down, at least. That's the West Gate. It's closed off now for security reasons. But we've repurposed a freight elevator that will get us inside. Ouais, what the fuck, le gros United States dans un jeu japonais, ouais. Bon, là, ça va bientôt reprendre. On va bientôt être en combat. Mais on va être aidé, hein, parce que sinon, sinon, on se fait défoncer. Hein. Ceux-là, ils sont quand même déjà... Ils sont un petit peu forts. Les petits loulous, là. Ils sont niveau 4. Bon, ça va. Ils mettent quand même des dégâts. Ouf. OS. Je me suis dit OS. Quasiment. Retour. Non. Hop. OS. Un petit OS. En avant. Pas mal. Mais du coup, j'espère que je vais pas être trop bas niveau. À mon avis, je pense que je vais devoir un petit peu faire quelques combats ou farm. Parce que là, ils sont quand même niveau 4. Je suis niveau 2. Je pense que je vais me faire poutrer à chaque fois. On va retenter. Si ça ne va pas, on ira... quelques petits combats extérieurs. Mais je vais prendre moi la défense parce que ça va pas le faire. Et là je suis en... Voilà. Ok, donc là on est en attaque spéciale. Donc quand il y a la possibilité, il y a un genre de rond. Là, il faudrait que j'évite. Faut que je me rappelle comment on évite. Par contre là si j'évite pas, je suis mort. Faut que je change d'arme. Je change d'arme, faut que je me rappelle. Bientôt mort. Ok, mais ça va, mais par contre, elle va pas pouvoir tuer tout le monde. Eh non, ça va pas le faire. Il va falloir que je farme un tout petit peu. Sinon, je vais jamais y arriver. Ils sont déjà trop au niveau. Normalement, il y a la possibilité de le faire. On va essayer de faire 2-3 monstres, parce que sinon, ça va pas le faire. À niveau 8, non, ça va être chaud. Vous voyez, voilà. On va essayer de faire celui-là. Niveau 50, on essaye. Non, ça fait rien du tout, ça sert même à rien d'essayer. Ouais, mais là, il est tout seul. Est-ce qu'on peut le tuer niveau 5, niveau 6. On va essayer de pex un tout petit peu, parce que sinon, on va pas y arriver. Mais je sais pas si un niveau 6, il est tout seul, hein, mais ça risque d'être compliqué. Alors oui, c'est les petites bestioles là qui crient de cette façon-là. On va essayer de gagner... Les petits TM, parce que sinon ça va pas le faire. Alors, hop, on va changer d'arme. Voilà, parce que sinon on est au corps à corps.
On va essayer de faire que ce soit pas nous qui restons au fort à corps. Même comme ça, un niveau 6, ça va être quoi. Ouais, ça va être trop fort. On va s'en aller. On va essayer de trouver moins puissant. On va essayer de trouver des moins puissants. On va essayer de trouver des niveaux 3 ou 4. Ouais, avec Xenoblade Chronicle X à 5 ans. Ça va, c'est pas encore. C'est pas encore trop vieux. Trop. Et puis graphiquement, ça va. C'est pas que. C'est pas que c'est totalement dégueulasse et injouable, loin de là. Donc par contre, on va essayer de pas choper tout le troupeau. Je vais pas trouver un ou deux ennemis. Bon, vous voyez, voilà, c'est graphiquement. Si là vous trouvez que c'est moche, voilà, je comprends pas. Je comprends pas. Alors il n'y a pas de base de chargement entre les zones. Donc c'est à dire que les chargements sont faits lorsque vous devez vous téléporter. Donc vous allez voir après, vous avez la possibilité d'aller d'une zone à l'autre avec ce qu'ils appellent les sondes. Mais sinon, en chargement, il n'y a pas d'autre chargement, tout simplement. On va essayer de trouver deux, trois monstres à faire. En fait, un portable de Xeno sur Switch possible selon vous? Mais moi, je voudrais bien, j'y crois. Mais Nintendo nous dit oui, Switch, problème, cartouche, pas assez de place. Donc voilà. Enfin, bah ouais, pas Nintendo Monolith. Mais c'est étonnant. C'est étonnant. Quand on voit d'autres jeux, on a l'impression qu'ils sont plus gros. Mais parce que bon, voilà, ils ont fait quand même le Xenoblade Chronicle 2. Ils vont faire le 1. Quelle est la différence? Pourquoi ils n'y arriveraient pas à taper un X dessus? Ah, il y a du niveau 4. On va aller un tout petit peu pexer parce que sinon on va se faire ramonner à chaque fois. Ça va être absolument stupide. Ok, en avant. Alors, lorsque vous réussissez ce petit QTM, vous avez des effets. Souvent, c'est du. Enfin, normalement, c'est du heal. Voilà. Donc, vous voyez là, on a vu que mon autre personnage a récupéré 100 points de vie. Donc, ça, c'est plutôt. C'est plutôt intéressant. Surtout... J'ai raté, j'ai regardé quelque chose d'autre. Vaut mieux pas les rater. En fait, quand vous êtes sur des petits monstres, ça va. Mais quand vous les ratez sur d'autres. Sur des monstres beaucoup plus balèzes. Balèzes. Là, vous êtes un petit peu mal. On va te faire sur le coccyx à 3 parce que t'es trop balèze. Et comme dirait un de mes amis, non, faire du mainstream, bon, c'est bien de faire du mainstream. Hein. Mais voilà, tout le monde fait du mainstream. Et vous voyez, je fais beaucoup de dégâts. Hein. Je fais du 1, du 2, du 3. Voilà, je fais énormément de dégâts. C'est normal. Hein. RPG, JRPG, on augmente petit à petit. Il n'y a pas de souci. Ok. Donc les arts vont pouvoir donner, si vous lisez en dessous. Ça, voilà, là ça cible un seul ennemi, inflige des dégâts d'armes, plus booste les dégâts en cas d'attaque de flanc. Donc, par exemple, si j'arrive à faire cette attaque là et que je suis sur le côté de l'ennemi, donc là on voit qu'il y a un genre de pince qui s'est barré, c'est un petit peu comme Monster Hunter. Donc c'est à dire que vous avez des objets qui vont être loot en fonction de ce que vous allez faire. Si vous donnez des coups d'une certaine façon à certains endroits, à certains moments, avec certaines attaques, vous allez récupérer des objets. Alors ça, on va les faire. Il faut découvrir tous ces points d'intérêt. Il faut les découvrir. Alors, on n'a pas toujours la possibilité de le faire tout au début. Là, on va voir. On peut le faire. Alors, c'est un mécanique, mais il est niveau 1. Donc ça, on peut le faire dès le début. Ensuite, il faudra monter... ça donne bien entendu de l'XP. Il faudra monter les compétences pour pouvoir justement... Les comprendre, les déchiffrer. Si vous montez pas les compétences, ce sera pas possible. Donc là, on va voir si on peut peut-être aller battre les petits loups là, dégueulasses, qui nous ont un petit peu défoncé la tronche deux fois de suite, comme des gros voilà, comme un gros loser que je suis. Alors oui, Xenoblade Chronicle X sur Switch. On n'y croit pas trop. Ou alors il faudrait qu'ils se disent ouais, on va faire comme on faisait à l'époque
Voilà, comme on avait fait Baton Kaitos, 2 CD. Pourquoi pas 2 cartouches? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce qu'en production, ça va pas leur coûter plus cher? Je pense pas que ça va leur coûter plus cher, par contre, mais nous, ça risque de nous coûter plus cher. Donc si c'est pour avoir un jeu à 80 balles, déjà que les jeux de base sont... Je trouve... je trouve que c'est déjà hyper... hyper cher. Mais là, si on arrive à des jeux... Ah, vous voyez, il y a un point d'intérêt en dessous. Mais je vais pas y aller maintenant, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Des niveaux 4, je vais les faire. C'est quoi ça? C'est des tarentules dégueulasses. Je vais récupérer... Je vais bloquer... Je vais augmenter mon armure, pardon. Je vais y arriver. C'est bien parce que je ne l'avais pas terminé complètement. Donc, si j'ai la possibilité de le terminer, je fais. Par contre, je vais changer d'arme. Parce que dans ce jeu, en cac, au début, c'est très compliqué. Très très compliqué. Ça fait des bons dégâts. Mais le problème, c'est que on est... voilà, on est au début du jeu. Hein. Donc ça, faut éviter. Mais l'autre ne nous tape pas. Mais il est mort. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, on a... Oh ouais, d'accord, ok. Et donc on récupère, vous voyez, voilà, assaut d'attaque, etc. On a des trophées, voilà. Ça nous... C'est la même chose que qu'avant, donc, enfin que maintenant, donc ça n'a pas changé. Alors on va regarder ce qu'on peut déjà. Si je peux augmenter quelque chose. Si je peux changer d'arme. Est-ce qu'il y a une différence? Oui, j'ai plus de précision avec celui-là. Alors ça. Comme d'habitude, des tonnes et des tonnes d'objets. Ah, voilà, un body différent. Ça va vous plaire déjà, hein. Le body va vous plaire, je sens bien. Je vous sens bien, bande de petits coquins. Ouais, j'aurais pu regarder aussi pour Elma, mais ça va. Est-ce que j'ai déjà la possibilité de changer des arts? Non, j'ai les 4 qui sont... Donc vous voyez, voilà. 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 Tour. Alors, pas possible pour un portage sur Switch, car il faut 2 écrans. Alors, il y a quelque chose qu'il faut que tout le monde sache, que vous sachoir. J'aime bien dire ce mot, ça veut rien dire, c'est superbe. Il faut que vous sachiez, c'est que... Ah oui, il y a les classes à débloquer au fil du temps. Ça, on verra après, on n'y est pas encore. C'est qu'ils arrêtent... Voilà, il y a pas mal de petites infos qui se perdent. De chez Nintendo, hein. Après le piratage des comptes, notamment, voilà. C'est pour ça qu'ils font 7 jours de live gratuit, mais il faut quand même mettre vos informations de carte bancaire, parce qu'ils ont, voilà, no comment. En fait, sur le site Nintendo, enfin pas sur le site Nintendo, il y a eu des petits, voilà, des petites fuites. On va essayer de, parce que parler en même temps, ça va pas être évident. Il y a eu des petites fuites et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu pas mal de petits trucs. Je crois que je reste dedans. Il y a eu pas mal de petits trucs concernant une possible Switch 2 écrans. Suite 2 écrans. Hello, Safrial. J'ai déjà joué. Oui, je ne l'ai pas fait complet, mais ça fait déjà quelques temps. Je ne l'avais pas fait complet, mais j'avais plutôt bien avancé. J'avais déjà les scales pour celui qui, voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu. Ok, on est déjà un petit peu moins ridicule, on meurt déjà un petit peu moins. Donc, c'est déjà bien. Bon, on mourrait quand même en chaîne, c'est un petit peu stupide. Petit poisson qui s'énerve. D'accord, ok. Des flammes de l'enfer, très bien. Non mais voilà, on va... Mais apparemment, une Switch à 2 écrans... Par contre, j'ai pas regardé. Du coup, j'étais en train de... Voilà. J'étais en train de faire le tour. J'ai raté. C'est pas grave. Voilà, c'est bon. Une Switch à 2 écrans à prendre avec des pincettes devrait voir le... Oui, mais oui, voilà, justement. Bon, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Mais, à chaque fois qu'on a... je vais retirer ça, parce que ça me saoule. À chaque fois qu'on a vu des infos de ce genre et qu'on a dit à prendre avec des pincettes, ça s'avérait réel. Donc voilà.
Lisez l'histoire. Ah, je suis sûr que la combi maintenant elle vous plaît mieux qu'au début, hein. Bande de coquins. Et donc un petit vaisseau estampillé US dans un jeu japonais. C'est assez étrange d'ailleurs. Donc voilà, on a l'air moins ridicule. On s'est pas fait ouvrir en deux comme une vulgaire boîte de thon. Donc c'est déjà ça. Alors on va pas aller péter la gueule à ces deux monstres. Je peux faire ça aussi. Il paraît que c'est bien. Ah oui, d'accord. On me dit, moi j'ai déjà joué, mais j'avais fait un truc pas intelligent et c'était de sauvegarder pendant le boss final, alors j'ai dû recommencer parce que j'étais pas assez fort. Ouais, on appelle ça du soft lock. C'est vraiment pas cool. Ça m'est déjà arrivé. Attendez, parce que je dois aller... ouais, là, je dois parler à lui. Non, lui, est-ce qu'il y a quelque chose pour l'instant? Ouais, on s'en fout. Ouais, c'est pas cool. Très beau poulpe. Très beau Cthulhu. Tu m'envoies là. Très très beau. Très très beau poulpe. Je dois aller là, je pense. Oui, je vais monter là aussi. Alors, je lis en même temps vos commentaires, etc. Donc, c'est pas évident. Oui, j'ai eu la blague sur... Baton Kaitos la première fois. J'avais totalement loupé les objets, certains objets, certaines cartes à récupérer. Mais alors, c'est bon. Ah oui, c'est là. Je suis con. Je suis vraiment un connard. Une 3DS version triple XL avec XS devrait être top. Ouais, mais là on va un peu... C'est toujours trop loin, les gars. Il faut toujours aller trop loin, là. Une version spéciale Xenoblade, ce serait en plus... voilà, avec les dessins... soit du scale ou quelque chose comme ça, ce serait pas mal. Alors, est-ce que lui, je dois lui parler? Non, je pense pas. Hein. Je dois juste rentrer dans... Voilà. Alors, une one suite. Ouais, mais... Maintenant, est-ce qu'ils vont pas justement se dire oui, on va faire... Oula, pourquoi c'est long comme ça? D'habitude, c'est pas si long. C'est bizarre. Là... L'épée, ça a plus de charme que les gars. Ouais, ça a plus de charme, ça, c'est sûr. Mais est-ce qu'ils vont faire ça? Bon, je pense pas. Mais maintenant, ils arrêtent complètement la 3DS, donc peut-être qu'ils seraient capables de se dire « Bon, allez, les gars, on fait ça avec un écran qui se branche. » Mais il n'y a même pas de possibilité directement dessus, donc faudrait une autre console. Si l'écran se branche, par exemple, en dessous, en USB-C, ça va être une catastrophe. Catastrophe à jouer. Enfin, ça peut être faisable, mais ça va être difficile. Et donc, Safriel nous dit, et mon skill était cheat. Ouais, mais il y a moyen après de faire des trucs absolument absolument monstrueux. Ça, c'est sûr et certain. Avec des armes qui font des dégâts de ouf. Allez, lisez l'histoire. Love, cœur sur vous. Il y a déjà juste l'équipement, le backpack que notre petite Elma se trinque-balle, là. Ça fait très très Gundam, etc. Ça fait il y a ça un petit peu dans Infinite Stratos, si vous connaissez, pour les fans JRPG. Ouais, tu perds aussi 3 heures d'autonomie. Ouais, c'est sûr que si t'as un écran qui vient se brancher en USB-C en dessous, à mon avis, l'autonomie de la Switch est déjà dégueulasse, mais alors là, celui qui me dit le contraire, il joue pas à la même console. Et donc ce que vous voyez là, ça fait partie de l'arche. C'est une partie du vaisseau qui s'est écrasé. Et on va comprendre aussi les comptes à rebours, etc. Vous allez voir.
Voilà, pour une console qui a une génération de retard, en sachant déjà que la Switch, voilà, graphiquement, c'est pas ça. Ah oui, les musiques, ah ouais, non, mais les musiques, Hiroyuki Sawano, les musiques, au secours, quoi. Exceptionnel, pour ceux qui connaissent, exceptionnel. Ceux qui aiment les Gurren Lagann, etc. Voilà, c'est du très bon. C'est comme peut l'être du Motoi Sakuraba pour les Tales of, pour Baten Kaitos, comme peut l'être du Uematsu pour du FF, quoi. C'est le top. Ouais, encore une cinématique, je vais cacher ma sale gueule. Et je vais boire une gorgée d'eau en ASMR. Parce que vous aimez ça. Ne me dites pas le contraire. Vous aimez l'ASMR. Le gars, il s'appelle Maurice Chausson. Chausson aux pommes. Zafrial, faut pas tout expliquer le jeu. Chut. Faut garder le suspense. Moi, je le connais, mais comme tout le monde ne le connaît pas. Maurice Chausson. Alors ça aussi, vous allez comprendre que il y a des politiques pourries malgré tout. Voilà. Non, il n'y a pas... ils n'ont pas fait de pack pour avoir les voix en Jap. D'ailleurs, tout le monde, c'est un petit peu... en tout cas, pas sur la version euro. Donc, malheureusement. Alors, montrer de l'intérêt au... on s'en fout. Là, je ne pense pas que ça aura beaucoup d'incidents. D'ailleurs, pour Xenoblade Chronicle 2, il faut télécharger le pack pour avoir les voix japonaises, si je me souviens bien, sur la Switch. Corrigez-moi si je me trompe. Mais me corrigez pas trop fort, hein. Pas de soucis, hein. Pas de soucis. N'oubliez pas. GRPG FR. Ah, lui, il est pas prétentieux du tout. Pas du tout prétentieux, le gars. Ok, ouais, on s'en fout de ta vie, mec. Heavy Armor Training Unit. I was a colonel and Arena a lieutenant. Gwyn was a more recent recruit. Of course, I keep telling them we don't need those old ranks anymore now that we're here. You're still colonel to me, ma'am. No reorg will ever change. N'oubliez pas de liker la page. And that's not about chain of command either. It's about JRPGFR sur Facebook. And the award for best ass kiss goes to... Allez voir le site jrpgfr.net. Toutes les informations des JRPG. Ils ont l'air un petit peu constipés, les personnages là. Hein. Premier chapitre. Alors, avant d'arriver au scale, il y a... Calmez-vous, il y a de quoi faire. Ok. Donc, ces personnages-là vont juste vous dire des... Bon, parfois des choses qui vont vous paraître absolument inutiles, mais parfois ça peut être intéressant. Ces personnages-là, par contre, souvent...
soit ils vont être utilisés dans le sociogramme pour voilà, de différentes manières, ou soit ils vont carrément vous donner des missions. Donc cela en principe, voilà, en plus. Alors voilà, après c'est ça un scale. Et ça c'est pilotable. C'est pilotable. Voilà. Donc par rapport au Xenoblade Chronicle, on va dire normaux, là il y a des putains de mechas. Et ça c'est beau. Ah mais Xenoblade Chronicle X pour moi il est superbe. Hein. Il est superbe. Et si t'as une bonne télé, c'est une tuerie, hein. Et lui, il est en train de s'écraser comme une vulgaire merde. Pourquoi ils n'ont pas fait FF7 Remake en open world comme ça? Ah ben franchement, c'est une question à... 1 milliard de goodies. Voilà. C'est pas à 100 millions d'euros, c'est une question à 1 milliard de goodies. Qu'est-ce qui vendra plus de goodies? FF7 ou Xenoblade Chronicle X? C'est à partir de là que se posent toutes les questions. Même les armures, même tous les équipements que vous pouvez porter. Lui, pas content. Hein, pas content. Pas content, lui. Ouais, c'est ça. C'est ça. Jeuxvideo.com sur 20. Page introuvable sur jeuxvideo.com. Exhaust in the cockpit. Just check the ductwork, would you? Oh, I'm checking. I just seriously doubt. Hey, look at that. The intake exhaust bypass is reversed. Oh man, it's a good thing I caught that. You caught that? You're the one who cleared me to fly. Everything okay? Fly me to the moon. Good thing you had a rugged pilot like Doug at the controls. Oh, hey Elma. How'd it go out there? And would this be one of the you-know-whos? You-know-whos? Cool. I'm Lin Lee Koo, mechanic and top all-around fix-it gal for Blade. Oh, typiquement le personnage voilà, asiatique dans les mangas. J'ai 12 ans, je sais tout faire. She's 13 and I know she's young. Ah non, 13. Elle est bourrée. Elle est bourrée tous les jours. I'll take care of it tomorrow. Don't mind it. Wait, why am I cleaning up your mess in the first place? Voilà, elle a 13 ans, elle considère les autres comme des esclaves et c'est normal. Parce que c'est japonais. Alors, là, il y a un petit défaut. Je vais remettre ma sale gueule. Il y a un petit défaut. On va dire que on peut utiliser donc vous avez votre personnage principal. Et vous voyez en dessous, il est marqué ne peut être retiré. Alors, on peut après avoir plein de personnages jouables. Mais la trame principale nécessitera 3/4 du temps de garder les personnages qu'on a actuellement. Donc ça, voilà, ça peut être bien, ça peut être moins bien. Donc vous voyez les petits points d'exclamation pour les missions, rien de spécial. Ça c'est commun, même pas nécessairement sur les JRPG et sur d'autres jeux aussi. Donc
Voilà, il y a des choses qui sont faciles à trouver. Par contre, parfois, vous allez en chier pour trouver ce qu'il faut faire. Et vous allez en chier pour trouver certains personnages. Car certains personnages n'apparaîtront que selon des horaires prédéfinis. Alors là, la roue était un tout petit peu carrée, mais elle était beaucoup moins carrée que la tasse dans la salle de bain de FF7 Remake. Et ça, il faut le dire. Ça, c'est important à dire. You can see everything. Forcément, il y a des cinématiques. Parce qu'il y a une histoire. Et que c'est un JRPG. Les musiques, elles sont trop bien. Rebuds, tu étais parti faire un caca? Donc ils vivent presque normalement, hein. Donc il y a vraiment un quartier commerçant. Ah, je m'en aurais douté, Buddy. Pas mal sur PC ce jeu. Comment ça? Avec l'émulateur, tu veux dire? Avec ses mutes? N'oubliez pas de liker la page, de partager. JRPGFR. Oui, sur l'émulateur, tu as aussi les packs HD qui sont... voilà. Et c'est ce qu'il faut. Il faut des paramètres spécifiques pour chaque jeu. Buddy, t'es mon modo, mais je vais te ban. Merci beaucoup, Nikri. Y a pas de problème. Alors, l'aliasing, ça... C'est un défaut sur pas mal de choses. Hein, sur pas mal de consoles, sur même pas mal de gros jeux. C'est absolument horrible. C'est très, très, très dégueulasse, mais malheureusement... Ça existe partout. Enjoy your stay in the administrative district and thank you for flying Linley Airlines. Right. Let's get you over to the barracks. Then I should file my report. They'll be eager to hear the details on how I found you, I'm sure. Well then, we better not keep them waiting. The barracks are pretty close actually. They're set up just behind the giant blade tower here. That road there wraps around the left side and leads right to it. We'll pass through Armory Alley, but let's not get sidetracked, okay? We can check it out later. Alors l'allée des armes, vous allez comprendre. Ouais, c'était particulièrement dégueulasse. Ouais, mais il y a d'autres jeux bien plus récents où l'aliasing est encore plus dégueulasse, réellement. Bah oui, Nikri, qui a très peu de chances qu'ils aient la possibilité de sortir sur Switch. Maintenant, on verra bien. Accès refusé, oui, voilà, je suis pas encore assez au niveau pour ça. On verra bien, il y a peu de chances, hein. On en parlait juste avant.
Le problème est qu'ils ont dit qu'il y avait pas assez de place sur une cartouche. Maintenant, voilà. Qu'est-ce qui... Ah oui, non, on s'en fout. On doit d'abord faire la mission de base. Elle a fait une petite croûte en même temps. Oh, ça, c'est ce qui s'est passé. Hop là. Oui. Hop. Allez, on va à la caserne. Niveau supérieur. Pourquoi? Ah oui, j'ai reçu un petit peu d'expérience. En fait, maintenant, on verra bien. Est-ce qu'ils vont pas essayer de nous taper une double cartouche ou nous obliger à télécharger un pack, etc. C'est possible. Hein. C'est possible. Alors, non, on va demander des détails. De quoi je me mêle là? Ouais, c'est triste, Buddy. Pas assez de place sur une cartouche. C'est vraiment triste. C'est vraiment malheureux. Bah écoute Simon, pour moi, Xenoblade Chronicles X, pour moi, est le meilleur jeu de la Wii U. Pourtant, il y en a eu pas mal. Il y a eu Zelda Breath of the Wild, par exemple, qui est d'abord sorti là-dessus et qui est un portage sur Switch. Et, je suis partagé, en fait, parce que est-ce que, justement, on n'a pas envie de le refaire correctement sur une Switch? Bon, il n'y aura pas d'amélioration graphique, donc est-ce que ça sert à quelque chose? Mais pour tous ceux qui ne l'ont pas découvert sur Wii U, voilà. Voilà, Nick Rick qui dit pas trop envie de m'acheter une Wii U. Voilà, le problème il est là. Surtout que les Wii U sont très durs à trouver. C'est très très rare. Ça a été très peu vendu, donc très peu produit. Ça devient une console très rare à choper, réellement. C'est vraiment pas une blague. Déjà la Switch, pour l'instant, pour la choper, il faut vendre un rein au marché noir. Mais la Wii U, il faut... Voilà. Ça devient catastrophique. Alors là, on est dans la caserne du quartier général. On va y revenir très souvent. Ah oui, non, c'est plus fabriqué, ça c'est sûr et certain. Il y en a vraiment... il y aura plus de production. Maintenant, il y a des magasins qui en ont dans leur stock. Et ça, il faut demander. C'est très bizarre, mais... Il y en a qui en ont encore. Le Leclerc près de chez moi, par exemple, ils en ont 3-4 dans leur stock. Dont une édition Xenoblade Chronicles X, qui ne change rien parce qu'il n'y a rien de spécial. Let's give it a little more time, at least until she knows enough to be able to make an informed decision. She seems to be suffering from some. Buddy qui nous dit oui, j'avoue, ils ont augmenté de fou le prix de la Switch sur Amazon apparemment. Oui, mais partout. J'en connais une. Comment ça, Nick? Tu connais un endroit où ils en ont encore aussi? Et Simon me dit franchement pas trop pour la Wii U, tu en trouves sur eBay le bon coin. Ouais, mais ça. Tu en trouves, mais les prix et dans quel état? Il faut voir le prix, hein, Nick Rick. Il faut voir le prix. Parce que parfois, quand ils en ont comme ça, ils les laissent au prix de base de sortie. Donc, 300 balles ou 400 balles. Donc là, c'est une petite boutique au centre-ville ici. Et il faut que tu regardes le prix aussi, si jamais ça t'intéresse, bien sûr. Hein. Donc. Alors, on s'en fout un petit peu pour l'instant. C'est pas encore trop grave. Allez, il va nous expliquer toute l'histoire. Ah oui, mais Simon, clairement, c'est si vous en voulez, c'est maintenant. Et elle commence à. Il y a encore des jeux qui sont produits hein, sur Switch, sur Wii U, qui sont en train de sortir maintenant. Ah, Nick Rick nous dit oui, tout au prix de base. Oui, oh, c'est une horreur. Hein. C'est une horreur. Dans mon Leclerc, c'est la même chose. Hein.
300 balles ou 400 balles. Et même les jeux PS9 à 70, 70 balles. Ouais, c'est une horreur. C'est une catastrophe. 70 euros un jeu, les gars. Eh bien, si certains sont intéressés, comme Simon dit, Intermarché à côté de chez moi, la Switch est encore dispo au prix, on va dire, normal. Si ça intéresse certaines personnes qui ne sont pas trop loin de chez lui, renseignez-vous. Donc, il nous explique le projet donc Exodus, donc l'Exode, hein, forcément. Find a habitable planet and settle there. We had no idea how long it would take. Or that the decision would eventually be made for us. The Xenoforms found us again, and, well, it wasn't a happy reunion. Earth wasn't enough. They wanted humanity destroyed. For better and for worse, we were close to planet Mira when we lost control of the White Whale. Inertia and gravity took it from there. The ship had taken way too much damage to survive entering the atmosphere intact. We had no choice. We channeled all the power we had left to soft land the habitat. Once the dust cleared, we set to work transforming it into its current state. Searching for survivors, establishing Blade, installing the provisional government. Basically, making it a sustainable city. Alors, ah oui, on va demander les autres informations. Donc, comment... Blade is an acronym. Builders of a legacy after the destruction of Earth. Quite fitting, I think. Bon, bien sûr, il a dit destruction au lieu de défense parce que, bon, la traduction, c'est pas évident de faire comme ça. Alors, Nick nous dit, je préfère mon EMU 60 FPS, j'achète le jeu juste pour le côté légal. Eh, écoute. Oui, mais encore faut-il, voilà, avoir le PC aussi qui tourne sans trop de problèmes pour le peu que tu y joues. Ben oui, ça, si ça sert à rien, se casser la tête à retrouver une Wii U et le jeu, voilà. Surtout que le jeu va être difficile à trouver, hein. Dans ce qui reste comme jeu Wii U en occas, Xeno, c'est pas évident. Et Simon nous fait une petite annonce. Intermarché de Roquebrune, Cap-Martin, à côté de Menton, dans le 06. Vous allez comprendre par après pourquoi il faut absolument récupérer l'arche de vie. Et ça, c'est important. The White Whale was designed to carry an exceedingly large number of passengers, all of them held in stasis, all housed in a structure called the Life Hold. This is a complete schematic of that facility. Only essential personnel were conscious and active for the journey from Earth. The flight crew, maintenance engineers, and of course, some military so we could defend ourselves if necessary. But the vast majority were in the life hold. Are in the life hold. With any luck, they're all still there, in stasis, waiting to be rescued. Ah, Nick qui retourne sur FF14. But attends-moi, après le stream, je retourne sur FF14. The life hold broke apart along with the rest of the ship when we came down on Mira. What we don't know is exactly where all the pieces landed. Not very comforting, I know. Eh bien, Dizzy a raison, hein. Au lieu d'acheter le jeu, si vous ne l'avez pas fait et que vous voulez voir à quoi il ressemble, si vous n'avez pas le jeu, vous n'avez pas la console, ne vous cassez pas la tête. Regardez mes streams, vous verrez l'histoire, vous verrez à quoi ça ressemble, et voilà, point barre. Alors, demandez des détails sur l'enregistrement. Et en plus, ça vous fera gagner de l'argent. Vous ne dépensez pas pour le jeu, vous ne dépensez pas pour la console. Vous ne faites pas de recherche, pas d'arnaque, rien. Vous regardez un stream, c'est gratuit. Voilà. Merci Budzy, tu es le meilleur.
humanity's survival, we all have certain responsibilities. And hey, it's not all bad. Registering gets you access to all kinds of public services. In any case, I'm sure this is all a lot to digest. You'll be wanting some time. Ms. Ku, even I'm tired of hearing myself speak. Why don't you take our guest out for some air? Perhaps a tour. Il avoue lui-même qu'il est relou, hein, les gars. Donc ça, c'est bien. Yes, sir. Come on, we'll keep this briefing brief. Pet, pet, pet. Alors, mission principale. Donc, comme quasiment tous les RPG et JRPG, vous avez une mission principale, donc un flux qui va vous emmener vers la suite de l'histoire, et vous aurez, bien entendu, merci pour... Oh là, mais je n'ai pas les alertes de tous les follow, il y a des gens qui follow sur Twitch et autres, je n'ai pas les alertes, pourquoi? Pourquoi cette méchanceté? Ah oui, je n'ai pas... Ok. Aucune idée. Faudrait que je regarde. Donc il y a plusieurs types de missions. Bien entendu, il y a les missions principales. Oh là, j'ai fait un petit peu bugger le truc. Alors, me lui dit rien, ok, on s'en fout. Et après, il y aura toutes les quêtes annexes pour faire certaines choses, notamment pour avoir le scale. Ça c'est vraiment le truc le plus important. Les chargements sont seulement entre certaines zones, comme vous voyez. Donc une fois que vous êtes sur la carte, il n'y a pas de chargement, sauf si vous faites, si vous vous téléportez. Mais sinon, il n'y a plus de chargement entre eux. Et avec les derniers packs, ça va quand même vachement plus vite. N'oubliez pas que c'est un CD. Hein. Il y a plein de jeux sur cartouche à l'heure actuelle sur Switch qui sont beaucoup plus lents. It's got everything a blade would need, all in one place, without any extra fluff. Get a load of that scale. Even the way that they walk is so cool. Je crois qu'elle a fait une trace dans sa culotte. Oh yeah, work it, baby. Alors le truc qui roule. Le truc qui roule, c'était aussi un scale, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, là on parle maintenant. Oh, je suis une kikou, j'adore les robots. Problème de culotte. Regarde, j'ai fait des doujins sur des scales qui se tripotent le laser. Still, just look around you. New LA has gone from basically nothing to this in just two short months. We could never have come so far, so fast without scale technology. I'd love to get you into one to see for yourself, but it's not that simple. Well, yeah, duh. For one thing, only blades are allowed to pilot scales. And even then, you need a license. These aren't toys we're talking about. They're complex machines with powerful weapons. And they're a precious resource. We only have so many of them to go around. So yes, as you might imagine, c'est normal qu'il faille un permis, hein. Process is a fairly rigorous one. I'm sure you're thinking, where do I sign up for the test? But it's not that simple. They choose you, not the other way around. You can't just walk in the front door and volunteer. There is some criteria. The details are largely hidden, but basically, HQ only allows the cream of the crop to take the test. Blades who go above for their duties, and for the people of New LA in general. So what do you say? If you become a blade and work hard, I'm sure it'll only be a matter of time before they tap you on the shoulder. Speaking of work, that reminds me. Ouais, ils ont des têtes de zombies. Ouais, ça c'est vrai. Why don't we check out the mission control board first? That's where we take on our assignments. Good call. Let's head on over.
Alors, allez au tableau des missions dans le quartier administratif de New LA. Alors, on voit la petite zone jaune. Ce sera pas toujours aussi facile de trouver. Et là, normalement, il va y avoir l'explication sur le tableau des missions. Donc, il y a des missions qu'on va pouvoir choisir un petit peu à la façon Monster Hunter. Vous allez voir. Par exemple, les entreprises d'armement qui vont vous servir après à vous équiper vont demander des missions. Vous allez devoir récupérer des matériaux, etc. Likewise, and if the assignment seems too tough to handle solo, that's what the scout console is for. We should show you that next. Hey, who's giving this tour anyway? We also have the scout console. If the assignment seems too tough to handle solo. Un petit caractère, hein? La Lin-Lin, là. Elma just said that, didn't she? Et là, à partir de là, normalement, dernière fois que j'ai joué, il y avait encore du monde sur le online. Maintenant, faut voir si ça va encore être le cas. Alors, est-ce que je dois parler Non, hein. Je dois juste monter là quelque part. Attendez, hop. Non, c'est où? Non, je crois que je devais lui parler. Aller à la console de recrutement. Ah oui, non, je devais juste faire la console de recrutement de base. Alors on ne lit pas toujours tout hein, quand on est en stream. Voilà. Erreur d'identification. Ouais. Voilà, console. Faut d'abord parler à qui? Celle-là? Bon, celle-là on parle pas. Là, c'est elle, alors on va lui parler. Ok, c'était bien elle. Oui, je vais m'enregistrer. Oui. Mets-moi la puce RFID, j'adore ça. Vas-y. Vas-y. Il faut que... Non, il n'y aura rien. Hein. Non, ok, on s'en fout. C'est bon, maintenant je suis enregistré. Je peux ou pas? Toujours pas, ok. C'est celle-là qu'il faut aller? Celle-là. Ah oui, c'est celle-là. Ah oui, il faut d'abord qu'elle explique ça. Oh là là, juste... C'est pour le online. End up joining us, you'll quickly realize just how important this little kiosk is. A lot of the mission control assignments are too much for any one blade to handle. They tend to call for multiple members with specialized knowledge or unique skills. This console lets you search for and recruit other blades to fill those roles for just such an occasion. You can't spell blade without team. Sort of. Anyway, awesome, right? So you're ready to join up? Hang on, Lynn. Take it easy, would you? What? I'm just saying, you'd have to be some kind of an idiot not to want to join Blade. Or maybe a crazy person. Oh, and here I thought you might be pressuring our guest. Apology accepted. Now, how about a little shopping? And I'm not talking about the stuff over in the commercial district. I'm talking about Armory Alley. Alors, on va aller voir dans l'allée des armes. Ils vont expliquer. En gros, vous avez la possibilité d'acheter différents équipements et de débloquer des équipements plus puissants. Ouais, c'est d'abord celui-là. Ouais, voilà, il faut faire absolument dans l'ordre. Vous avez la possibilité d'avoir des équipements plus puissants en récupérant un certain minerai. Vous allez voir. Most Blade members face danger on a daily basis. Having the latest gear isn't about impressing your friends. It's a matter of survival. True enough. And that goes not on va laisser, on va laisser comme ça. Ce sera plus beau. On pourra lire plus facilement. But for skull equipment as well. You can even buy whole skulls. Can you imagine owning your own skull? Huh? Oh, right, the tour. Elle est toujours en train d'avoir des problèmes dans sa culotte à cause des robots. Hein.
espèce de sale geek. Je vais laisser en full screen le temps de faire le petit tour. De toute façon, hop, ça c'était bien de pouvoir changer comme ça, de pouvoir dézoomer. Ça c'est vraiment génial. Ça manque dans tellement de jeux. On est obligé d'avoir une vue dégueulasse dans certains jeux où on voit que dalle. La Tour Blade. Alors rien à voir avec le chasseur de vampires, hein, les gars. Ça n'a absolument aucun rapport. You can't wait to join Blade, right? Okay, Lynn, seriously, that's enough. We're not here to make a sales pitch. We just want you to have all the facts so you can make an informed decision to join us, or not. Now that you've seen where and how we work, hopefully it made a good impression, but your decision will be just that, your decision. Sexe Blade, chronique le X. Exactement. Mais avec toi, Kuro, tout est sexualisé, hein. Monsieur, je drague des pixels. Et en plus, je rate et je me ramasse des claques dans la tronche par des personnages de pixels. Voilà. On a terminé la mission principale actuelle. Attendez, oh là là, faut pas aller par là. Hop là. De toute façon, on va bientôt arrêter. Alors d'ailleurs, hors sujet, hein, totalement hors sujet, mais Kuro, vas-tu continuer des lives de Sakura Wars pour montrer tes talents de séducteur, de dragueur, de pixeleur? Vas-tu le faire? Honey, we're home. Yes, very amusing. Ah, il a l'air d'être il a l'air que ça l'amuse, hein. Thank you, Ms. Gu, but I can't stay long. I just wanted to pass along a request from your commanding officer. Commander Vandom. Oh, il n'y aura pas d'autre live de Sakura War. C'est triste. He stopped by while you were out on your tour. He said he'll come back, but that I shouldn't wait to ask you. Here we go. I bet I can guess. You probably can. He wants to fast. Si vous voulez voir des bikinis, il y a un moment où Okuro fera un live live spécial bikini. Il ne mettra pas lui un bikini, hein. Donc ne rêvez pas. Il jouera à Sakura War avec avec le pack bikini. Voilà. I explained about the memory issues, but he didn't see it as a problem. But to be honest, given our current need for Blade recruits, I can't say I entirely disagree. Hey, it's not me you need to convince. Blade service is voluntary, remember? Of course, and I would never force or coerce anyone. Well, friend, what do you say? Can we count on you to do your part? Mais de toute façon, on n'a pas le choix d'accepter. Sinon, il n'y a plus de jeu. Donc, je pense qu'on va accepter. On va attendre de voir ce qu'il va nous répondre. Et puis, on va s'arrêter. Je pense qu'on pourra, s'arrêter. Welcome to the organization. Elma, she can start on your team. You begin training immediately. Yes, Mr. Secretary. With pleasure. Avec plaisir. Welcome to the Cool Kids Club. Cool Kids Club. Welcome to the Cool Kids Club. Yeah. Now, let's discuss that training assignment. We've decided to start you out on a probe installation. Do you believe? I guess we should back up a bit. Here in New LA, ah oui, oh, les sondes, attention, c'est parti. Alors ça, c'est aussi une petite dimension stratégique dans ce jeu.
Vous allez comprendre pourquoi je dis stratégique. Yes, mais le plus tôt, ce sera sûrement pas aujourd'hui. Ça y est, Kuro est parti. Il rajoute sexe dans tout. Une section. Je vais te mettre une sonde, tu vas voir. Monsieur, je drague des prépubères pixelisés sur les jeux vidéo. Alors, elle va bien installer cette sonde comme... Voilà. Allez, allons-y. On va installer une bonne grosse sonde, comme des pros, hein, les gars. Alors. Juste vous montrer un petit peu comment ça se passe. Je ne sais pas si on va le faire... Alors, vous ne verrez pas tout, parce qu'il y a une partie qui est sur l'écran de... voilà, donc là, c'est le début du chapitre 2, on va le faire la... On va le faire la prochaine fois. Alors, normalement, ça, je pense, sauvegarder. La carte apparaît sur le magnifique gamepad de la Wii U, j'allais dire de la Switch. Pour celui qui, voilà, pour ceux qui ne se rappellent pas à quoi ça ressemblait. Hein. Hop, et là du coup, on a vu le fond vert. Alors, on va pas faire... En fait, si on est trop joyeux, on va plus plaire à Lynn. Et si on est plus carré, plus terre-à-terre, on va plus être apprécié par Elma. Wouldn't surprise me at all. Irina's team is one of our best. How does she know Irina and Gwyn? We ran into them just before we met up with you. They were on their way out to an assignment. Well, then that settles it. It must have been them, right? Alors Kuro, j'ai une bonne nouvelle. Les demoiselles que je contrôle dans Xenoblade Chronicles X pourront avoir des tenues assez intéressantes. Ça pourrait te plaire. Roger. That probe isn't going to install itself. Let's get to the east gate, shall we? En sachant qu'il y a un truc qui est marrant, c'est que les tenues assez sexy, lorsque vous les placerez sur Elma, les tenues resteront telles quelles, c'est-à-dire assez sexy. Quand vous allez les placer, donc la même tenue, vous allez la placer sur Lynn, par exemple, le décolleté ne sera pas le même. Il va avoir un morceau de tissu en plus. Censure oblige. Ligne de base n'est pas majeure, donc on se calme. Alors, Elma égale Dark Sasuke, exactement, avec des 4 et des 3 à la place du E, c'est parfait. Tu peux maintenant utiliser la carte. Celle-ci est accessible via Terminal et contient une tonne d'informations. Et quand elle dit une tonne, elle a pas tort. N'hésitez pas à jeter un œil et de le récupérer après, sinon vous ne verrez plus rien. Espèce de... connard. Alors. Ah oui, j'avais dit que je ne le faisais pas aujourd'hui. Donc, début du chapitre 2. Si j'avais su que c'était directement le chapitre 2, je ne l'aurais pas fait. Là, on a fait 1h30 de stream. On vous a montré un petit peu comment ça se passait au début. On vous a
ça inclut un petit peu le scénario, les personnages, un tout petit peu de la planète et de tout ce qui peut être vu et visible dessus. Je commence à être un petit peu fatigué. Aujourd'hui, j'ai du mal. Voilà, je suis un petit peu crevé, mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc pour aujourd'hui, voilà, vous avez une petite musique rock là qui vous explose bien les tympans, histoire d'être sûr que vous n'oubliez pas. Alors, je vous rappelle quand même que demain c'est Kuro qui reprend à 20h. Je pense pour le Persona 5 Royal, je n'ai pas l'horaire sous la main. Parce que tout est ouvert, donc c'est une catastrophe. Je pense que c'est Persona 5 Royal demain. Donc il m'arrêtera si je trépasse, si je faiblis. Il m'arrêtera si je mens. D'ici là, portez-vous bien. Portez bien vos vieux aussi. Soyez cool avec. Hein. Ne laissez pas mourir partout. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. N'oubliez pas de liker la page tout ça, JRPGFR et le site jrpgfr.net. On vous aime, bisous. Bisous sur le slip.